On va rigoler sur l'autoroute. Engagement sur l'autoroute à 30 à l'heure. Et je m'engage plus vite que sur celui qui est à ma gauche derrière moi. Lol. Bon, je vais remettre l'anti-patinage. Je vais laisser passer le quattro si je veux rouler. Oh, c'est tentant là, putain. Ah, c'est tentant. Si je débranche la C, il se passe quoi? Oh, je vais en branche, je veux pas faire trop le con. Ah, mais c'est tentant, putain, c'est tentant. Mais c'est pas bien ce que tu fais. Allez, rebranche la SP. Voilà. Ça coupe les gaz comme ça. Ça m'évite de me laisser tenter. Oh, par contre, le gros rond-point. Oh. Il y a trop de monde. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Oh, mais c'est tentant. Mais c'est tentant. Le grand rond-point. Le grand rond-point, il est tentant. Là, je vais faire un tour à retourner sur l'autoroute. Bon, débranchage d'ASC et on verra. Ça a déjà été salé par là, je pense. Ah, ben. Ah non. Il y aura des sur le phare. C'est bizarre, il n'y a plus personne derrière. Il n'y a plus personne, genre, ils sont tous arrêtés à cause d'un accident. Ou ralenti par une Mercedes. Ah, ça glisse, ça. Ça glisse sur toi à l'intérieur. Ah, mais là, c'était salé à mort. Ouais, ça... Là, ça a déjà été salé de ce côté. Dommage. Parce que là, je suis tout seul. Bon, ASC réactivé. Ah, l'autre, il allait. Avec son Merco, il a les warnings. Oh, mais mon dieu. Les gens, ils ont vraiment peur et pas l'habitude de la neige. Hein. Ils n'ont pas l'habitude, donc ils ont peur. Ils ont peur, par contre, donc ils roulent à 50. Par contre, alors les distances de sécurité, rien à foutre. Hein. Alors que sur cette. Avec ces conditions-là sur la route, il faut tripler ta distance de sécurité si tu veux vraiment être assuré de ne pas aller enculer l'autre s'il y a un freinage. S'il y a plutôt un arrêt soudain, genre deux voitures qui se tapent dessus et qui... Ah, encore un avec les warnings et qu'on se fait avancer. Mercedes, une voiture, quelle est bien pour la neige?
là là là, quel abruti, sérieux. Ah, quand même. Gendarmerie nationale. Le secret, c'est bien entendu d'effleurer l'accélérateur pour ne pas mettre trop de gaz. Mais changer de voie très lentement pour pas se faire entraîner par la neige. Pas très lentement, mais très doucement. Se laisser déporter lentement. Oh, c'est génial, j'adore. J'adore. C'est vraiment top fun. Un bon 100 km/h. Bon, je ferais pas une plaque de verglas trop grande parce que je capte pas en virage. Ah, avec son A, ça va, il part. C'est bien. Ah, c'est les pompiers en face. Pas de déconcentration. Ça a changé de consistance là. Ça a dû être salé ici. Hop là 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 là. Je n'aime pas quand ça a été salé. Une fois que ça a fondu, qu'est-ce que ça fait? Ça regèle. Non?
La gentille patinette qui s'est activée deux, trois fois alors qu'elle ne s'était pas activée une seule fois depuis tout à l'heure. Depuis le début de l'autoroute, quoi, depuis la fin de mon accélération d'engagement. On a la limitation, 110. Juste pas. Oh là là, mais c'est des rafales de vent qui me décalent comme ça. J'ai l'impression que je me prends des rafales de vent là. Oh, ici, c'est de la grésille ou quoi? C'est du grésille. Oh, ils sont en train de fermer l'autoroute? C'est quoi? Ils sont en train de fermer l'autoroute? C'est la gendarmerie, hein, c'est pas un chasse-neige. Ah, c'est plutôt quelqu'un qui s'est vautré, qui arrive pas à y aller. Ah, ils vont le tirer? Ils vont le tirer? Ah non. Ah ouais, ils vont le tirer? Ah, je sais pas ce qu'ils font. Ils vont le pousser, je sais pas. Il est un peu étranger. Ah ouais. Ah, ce serait un peu culotté d'envoyer un petit travers dans le rond-point là. Ouais, non, je peux pas me permettre. Forcément, surtout que je compte retourner là. On va se refaire un tracé. Oh, c'est dommage parce que là tu fais ouf et ça part direct. Je peux pas envoyer, il y a les gendarmes. Ah, il lui assure la marche arrière. Ils le font aller en marche arrière et ils le protègent. Je suis en troisième, hein, putain. Je pourrais mettre la 4 et mettre moins de gaz pour prendre de la vitesse sans faire patiner, mais. Wouhou! Allez, on va remettre la SC, c'est la descente.
même avec la SC, hein, ça peut partir en couille. Hein. Là, ça faisait des coupures d'injection, mais ça, la voiture avait quand même le temps de se mettre légèrement en travers. Et là, si tu réagis mal avec le volant, c'est bon, c'est ta queue. Faut être vraiment super doux, mettre très peu d'angle pour revenir. Le mec dans son truc tout pargel, il a dû dire oui, il va se tenter lui. Mais non, tranquilo. Oh, l'autre avec la remorque. Il remorque une Merco. Sur un plateau. C'est le meilleur moyen de faire avancer une Mercedes sur la neige. Remorque plateau. Moi je me dis la même chose d'ailleurs. Important les warnings parce que avec les distances qu'il faut pour freiner. Oh, l'autre derrière il s'amuse. Ah, l'autre il s'amuse derrière à faire des... Ah, mais il avait dû me voir au loin. C'est peut-être ça, celui qui m'a vu au loin avant. Après avoir passé la gendarmerie. Ouais, c'est exactement ça. Ah, dommage que j'ai pas de caméra arrière. Coucou. Je vais faire un petit tchuss. Il est chaud par contre, hein, il est chaud. Et ces distances de sécurité, je suis pas fan du tout. Le reste, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Les distances de sécurité, si l'autre de devant doit filer, ça la fout mal.
Mais pourquoi on avance comme ça? Mais il y en a un, il squatte la gauche et il n'ose pas dépasser, quoi. C'est un truc de fou. L'autre trou du cul là-bas devant, il nous empêche de dépasser. C'est quoi ce connard? Il n'ose pas y aller, quoi. Si tu n'oses pas, tu te mets pas à gauche. Franchement. Attention. Allez, on branche la C. Parce qu'on est à plus de 70 là. On va pas faire le couillon, il y a du monde. Enfin, on va pas trop faire le couillon. Hein, Thoiry, c'est là. Putain, l'autre, avec ce temps-là, il change de... Ah, j'ai envie de continuer un peu, allez. Oh, oh, oh. Eh, j'ai la ST, hein, j'ai remis la ST. Ouais, comme quoi. Je disais quoi avant à propos des coups de volant avec peu d'angle? Là, j'ai mis trop d'angle parce que j'ai voulu changer de voie au dernier moment. Et voilà le résultat, j'aurais pu me planter. Bon, on va arrêter. Parce que j'ai vu comme un flash bleu. C'est genre un signe. Comme quoi il va y avoir les gendarmes et qu'il faut que j'arrête de faire des visitos. Je vais sortir à Thoiry à la base, j'aurais dû sortir là. Wow! Et là, je suis parti autant que ça, alors que j'avais débranché, j'avais activé la ST. Hein. C'est juste que j'ai eu le pied trop lourd. Faut vraiment avoir le pied léger, léger, léger. Ah, si je viens me planter. En commentaire, on me dira, tu t'espérais quoi? C'était couru d'avance! Oh le scooter! Oh le scooter! Galère! Ah ouais, ça! Et pourtant, elle était annoncée cette neige. Hein. Mais bon. Et en plus, je sais pas, mais c'est pas comme s'il neige plus 5 minutes quoi. Tu t'es engagé sur l'autoroute en connaissance de cause. Tu savais qu'il y aurait la neige, mais tu vas quand même sur l'autoroute avec ton scooter. C'est un bruti quoi. Oh! J'y repars encore. Bon, on va arrêter. Parce que j'ai vu comme un flash bleu. C'est genre un signe. Comme quoi il va y avoir les gendarmes et qu'il faut que j'arrête de faire des visitos. Oh, j'y repars encore. Ouais, ils vont avoir du travail là. Hein. Là, hein, tu m'as vu. Vous souvenez-vous de cette voiture? Ah, l'autre, il allait. Avec son Merco, il a les warnings. Alors maintenant, reprendre la vitesse avec l'AST activée. Ça veut dire sans faire patiner la voiture. Ouais, ça va, ça le fait, ça le fait. Ça se raplatit. Ça le fait. Mais tu roules là, c'est dans de la papette, quoi. Tu roules dans la papette, hein. C'est comme si tu roulais sur la pluie. Tu roules à 40 à l'heure ici, sous la pluie. Je crois pas, hein.
J'ai envie de passer devant. Tiens, commence à freiner parce que je te passe devant. Obligé, t'es beaucoup trop lente. Allez, un petit peu de neige fraîche. Youhou! Un peu de neige fraîche. Youhou! Débranchage de l'AST. Wouhouhouhouhouhouhou! Ah ouais, c'est compliqué en scooter, hein. C'était fun, mais ça fatigue vite. Ça demande beaucoup de concentration. Déjà que je suis quelqu'un de fatigué à la base. Oh là là, c'est la folie, c'était la folie.